Faites-vous plaisir. Plaisir fut en effet le maître mot à cette 18e Transloverienne, organisée ce dimanche par l'UVL, l'Union Vélocipédique de Louviers, qui a réuni pas moins de 1390 participants sur les trois parcours de randonnée, 15, 30 et 50 km en pleine forêt de bord. Donc la Transloverienne, donc randonnée 15 km familiale, ouvert aux enfants, on va dire à partir de 4 ans. Après la rando 30 km découverte pour les gens qui font du VTT une fois la semaine. Niveau facile, circuit avec 400-500 mètres de dénivelé. Après on a la rando 50 km qui là est la rando sportive avec des parties vraiment physiques. Il faut être un adepte du vélo quand même pour pouvoir les faire. Donc au niveau de l'organisation en fait, notre club en fait, c'est une cinquantaine de bénévoles. Rien que de notre club, après ils viennent se greffer les cyclistes et les secouristes. Une cinquantaine aussi, donc le jour J on a environ 100 bénévoles mobilisés pour la bonne sécurité de l'épreuve et puis pour que ça se passe bien. Plaisir certes, mais courage également car même si l'ambiance était au beau fixe, les cuisses ont souvent souffert et les soucis étaient parfois au rendez-vous. Bravo à vous, merci d'être venu sur cette 18e édition de la Transloverienne. J'ai fait 26 km sur 30 km. Le parcours était bien par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux ou de différent par rapport à l'année dernière? Il y avait moins de montées, parce que l'année dernière il y avait beaucoup de montées, c'était plus dur. Et je me suis bien fait plaisir.